Pantalon. Alors, on a différentes missions, dont trois missions génériques, je dirais, des missions d'accueil et d'orientation pour pouvoir accueillir le public, les orienter. Et puis, on a aussi des missions d'animation sportive et culturelle. Il va y avoir plein de découvertes et d'animations sportives qui vont se dérouler sur le site. Ils seront là pour vous accueillir. Et puis, la dernière mission est une mission inclusive et personnalisée. C'est pour pouvoir accueillir tout le public, les personnes en situation de handicap, des personnes qui seraient dans le besoin d'être accompagnées un petit peu plus. Eh bien, nous avons des volontaires qui sont là pour ça. Je trouve que c'est une chance de pouvoir être là en tant que relayeur, puisqu'on vit les JO de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, au Parc des Jeux ? Alors, je serai assignée à l'accueil et à l'hospitalité, donc l'accueil des usagers. Et ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir voir beaucoup de monde. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir volontaire, alors, de Paris 2020 ? Oh, bah, mon goût du social, hein. Je suis en tant qu'ancienne enseignante. J'aime bien. Et puis, la curiosité, bien sûr. Pour vous, ce moment des Jeux, c'est une chance pour le département ? Évidemment. J'espère que ça va apporter beaucoup. Ça va nous permettre d'améliorer un peu notre cadre de vie. Alors moi, il faut savoir que dans mon école, en fait, Amandine, notre responsable, elle est venue faire une intervention dans une de mes classes de sport. Et ça m'a tout de suite intéressée, vu que j'aime beaucoup le sport. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et toi, Kevin, alors pourquoi t'as souhaité devenir volontaire ? Parce que j'aime beaucoup le sport, je suis un sportif aussi, et je trouve que c'est important de s'engager pour la France et pour les Jeux Olympiques. Alors moi, je serai à l'accueil et en animation, donc quand il y aura des activités telles que, je sais pas, du basket, etc., j'aiderai à former les équipes, à aller chercher les ballons, et puis à l'accueil, à réorienter le public. Moi, c'est à peu près pareil, c'est donc d'accueillir un petit peu le public, d'être aussi sur les animations pour voir si tout se passe bien, pour aider un petit peu à la distribution des ballons et autres. Donc voilà. Pour les JO, hip 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 ! Ouais !